Ah ouais, c'est nouveau ça, ouais. C'est vrai. Ce petit blouson. Non, mais ça va faire passer en direct. Ah. Bonjour Daniel. Écoutez, on est avec Daniel sur le rallye de Suède. A priori, tout se passe pas mal. Ce matin, on a eu une bonne séquence. A bientôt, peut-être. Bien. Voilà, qui est bonjour. Bon. Oui, bonjour. Bonjour. Pour ce rallye-là. Alors c'est entre guillemets la rallye plus facile pour nous, parce qu'il y a 15 secondes de pneus. Pour les pneus c'est le X-Size Sport 3. Donc c'est un pneu qui nous sert en fait à développer avec une sandbox et avec une sandbox. En fait, ce qui est important, c'est que le clou, le clip qui par le clou. Donc ce qui est important, c'est que le clou, il aille taper dans la glace ou dans la terre. Donc pour ça, faut qu'il fasse tracer à la neige et après qu'il aille sur la glace. Donc quand on tout neige, on a besoin d'avoir un clou qui sort beaucoup pour qu'il puisse traverser la neige. Le clou, il fait 2 cm. Par contre, là où on choisit, et en fait on l'a fait sortir, alors soit il est sorti à 6 mm. Et le clou de l'ACE2 est sorti à 7 mm. Et ça, c'est pas les pilotes qui choisissent le... Avant, par le passé, c'était possible d'avoir plusieurs. Maintenant, en fait, la réglementation, on a fait d'avoir un seul pneu. Donc là, nous, on choisit le meilleur compromis pour la personne non. Pirelli ne choisit pas forcément la même hauteur de pneu. Et le pneu fait 2 cm. Ouais, comment vous, à la main, on met la colle avec le pneu. D'accord, vous voulez mettre le pneu. Ah ouais.
Ils sont tous avec une puce RFID, ce qui fait que ça permet en fait, déjà ils sont uniques, et ça permet de les tracer avec un lecteur RFID, donc maintenant il y a des téléphones qui le font, mais ça évite en fait que les pilotes... Combien? 8 kilos? 2,8, 2,8, ah ouais, ouais. What? Comment je filme, c'est pas bien. J'aime pas quand il y a Alain parce qu'il me dit regarde à droite là. Alors, quand tu filmes, tu vois pas tout, tu sais. Ah, il est en train d'expliquer que la voiture va fort. Non, pas c'est du l'heure. Tout. 12h, c'est vrai que c'est 12h. Ah, c'est l'heure. Ouais. Après, il met tout des cons. Là, là-bas, au fond, c'est bondé. Ah, tu vois, voilà. Où ça, où ça? Ah, il est parti, là, ouais. Il est là. Regarde, là, face à nous. Oui, oui. Il fait un peu sur la roue arrière. On peut démonter les éléments qui cachaient le moteur. Ouais. Donc voilà. C'est la voiture. Ça, celle de Mick. Mick. Il y a Tanak mieux là. Tanak, je vois plus, il était, je trouve. Thank you.
regarde Sébastien, il est ah, là. Ah, ben voilà. Moi, je l'ai vu, il est venu, il fait signe, mais bon, il a pas de soucis. Allez, appelle-le, appelle-le, ouais. Tiens, regarde mon Daniel. Ah, il y va bien. Regarde. Enlève ton bonnet, il ne te reconnaît pas. C'est des grands gestes. Ah ouais. Ouais. Ah. Bah, il doit partir à l'interview là-bas alors. Sérieux. Tu l'emmènes, ça coûte quelques 5000 euros. Ouais, un spoiler comme ça. Ouais. Déjà à l'époque, ça coûtait une fortune. Ouais, c'est vrai. Avec toutes ces élèves, tous ces. Ouais. Ouais. Voiture, machin. C'est vrai. Ça loue combien ces voitures? Ben, il paraît que ça se loue autour de. À une époque, c'était. En rallye championnat de France, c'est autour de 50 000 euros. La championnat du monde qui était de 75 000 euros. Ouais. Et là, c'est pour courir sur plusieurs jours. C'est ah, sur toute la durée du rallye. Quoi. Oui, pour rallye. Ouais. Et t'as combien de trains de pneus là? Oh ben non, mais attends, il y a la location. C'est pas compris après, ça y dedans. Il y a des frais annexes, il y a des assurances, il y a tout un tas de choses. Ouais. Donc là, il y en a pour 100 000 euros. 100 000 euros, ouais. 100 000. Ah, c'est le fameux lest. Voilà. D'accord. Fou. Avec des trous, des. Pour ajuster les. Mais ils mettent ouais, ce qu'ils veulent. Les masses, ouais. D'ailleurs aussi des trucs thermiques, je pense, parce que dessous, là, il y a tous les radiateurs. Ouais, une grande. La chaleur qui est dégagée. Ouais. Et tu as dit, ressorti d'usine, cette voiture. Tu vois que c'est propre. Hein. C'est vrai, hein. Il y a la merde qui coule dessous, là, parce que tu vois, ils ont mis des espèces de surfaces. Là. Pour récupérer la flotte. Ouais, ouais. Une protection. Et comme neuf. Et là, ils ont enlevé en arrivant, il y a un gros cache qui est doré, tu sais, sur le moteur. Oui. On avait vu très rapidement, il enlève, la voiture arrive pour accéder aux parties profondes. Oui. Il remonte à la fin pour évacuer la chaleur. Quoi. Oui, pour ventiler. Mais pour que la chaleur dégagée par le turbo soit ne reste pas dans le bloc moteur. Oui, oui, oui. Ça monte pas trop vite. Hein. Et il y a une boîte de vitesse. Ah oui, super. Ça va plus qu'à tous. Tous les actuateurs hydrauliques que tu as vu pour passer les vitesses. Tous les flexibles hydrauliques.
contact. Ouais, ouais, tu parles. Ah, c'est dommage. Et voilà, c'est les parties archélites. Oui, voilà, ouais. Partie dorée, les là. C'est, ça, c'est l'unique. Pourquoi c'est doré comme ça? C'est l'or, est un excellent transporteur de la chaleur. Ouais. C'est le meilleur. D'accord. C'est un peu plus cher. Et bien, il n'y a pas beaucoup, quelques micros. Ouais. J'ai vu le gars avec qui il a vu faisait les photos de la boîte, crac. Ah ouais, mais tu parles. Ah. Ah, le résultat du chèque d'armes, ouais, d'accord. Il y a deux secondes de l'antenac et au jeu. Il y a deux secondes de l'antenac, deux, ouais. Sauf qu'il est en 4,07, le 3,4. Ouais. L'Aube, il est en 4,10, il est en 6. Grenoble, 4,15, là, il est un peu décalé. Oh, il y a Utunian, 4,14. Hein. Il fait pas mal. Ouais, toujours ces numéros. Hein. C'est les boissons qui appartiennent à Malcroze, mais qui louent à ceux qui ont les moyens de se les payer. Ouais. Les camions PX. Toujours PX, ouais. Même. Il y a Auger qui rentre, il avance, il s'assied. Il tourne, il a un droit de profil et ouais. Devant une gratte.